La reine et la princesse Margaret ont été obligées de se lier d'amitié avec des enfants locaux à Windsor pour faire face à l'impact de la guerre, a affirmé un expert royal. La reine et la princesse Margaret ont été évacuées vers la campagne du château de Windsor pour échapper aux attentats de Londres. Les deux jeunes royaux ont été encouragés par leurs parents, George VI et la reine Elizabeth, à remonter le moral des enfants séparés de leurs parents pendant ces dans le grand parc. Et quand ils ont été vraiment encouragés en fait par le roi et la reine à rencontrer d'autres enfants, des enfants locaux, ainsi que des enfants de la communauté du château pour leur tenir compagnie pendant ces temps très sombres que vous connaissez. La reine se produirait dans diverses pantomimes avec sa sœur cadette, avec certains des costumes qu'elle portait maintenant exposés à la chambre de Waterloo au château de Windsor. Les costumes qui survivent aujourd'hui ont été portés lors d'une production d'une pantomime des Aladdin mise en place en 1943 et de All Mother Red Riding Boots en 1944. À Aladdin, la princesse Elisabeth de l'époque portait une veste en brocart doré et turquoise avec une salopette turquoise et un chapeau assorti, tandis que Margaret portait une robe en soie rouge et une veste assortie pour jouer à la princesse Roxana. Dans All Mother Red Riding Boots, la future souveraine portait une robe en satin et dentelle rose à manches longues pour jouer Lady Christina Sherwood et a ensuite enfilé une chemise en chintz, un pantalon et un chapeau de soleil pour une scène de bord de mer, dans laquelle la princesse Margaret portait un taffetas bleu. Habillez-vous avec des blousons en dentelle crème pour jouer à l'honorable Lucinda Fairfax.